Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé, hey, Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'intéresse à faire tout ce que je dis. Attention, chut, voici Corneille et Bernie. Attention, c'est nous, Corneille et Bernie. On est trop fort. John Bess, ça va? Astres et satellites fascinants. Oh, quelle barbe. Mais qu'est-ce donc que ceci? Pizza! Ah, oh, Bernie, c'est horrible. Dans l'immeuble d'en face, il y a un vampire. C'est ma pizza, tu pourrais m'attendre. Où ça? Dans l'appart en face, là? Bon, il y a pas de vampire. À l'autre, un vampire. Hey, tu sais où j'allais te croire, en plus? Je sais, Bernie, que cela peut sembler insensé, impensable, invraisemblable, mais je l'ai vu de mes yeux vus. Crois-moi, Bernie, c'était un vampire. Enfin, les vampires, ça n'existe pas, Corneille. Bernie, regarde bien mes babines. Tu m'entends? Et pourtant, les chiens ne parlent pas. Alors? Alors quoi? Alors cela signifie que les vampires... Oh, puis ça suffit, hein. Mange et oublie-moi. Allô, la police? Voilà, je vous appelle pour une chose terrifiante. Mon nom est... Bernie? Bernie Barge. Donc, vous avez vu en face de chez vous un homme? C'est un homme et... Il avait deux grandes dents. Dites, qu'est-ce qu'il a, votre chien, là? Oh, rien! Bon, alors voilà, je vous ai tout dit, hein. C'est tout. Ah oui, en fait, j'avais oublié de vous dire, le gars avec les grandes dents, en fait, c'était un... Un vampire? Ah! Pourquoi pas un loup-garou? Est-ce qu'il faut pas entendre dans notre métier? Alors la Corneille, bravo, hein. Et merci. Mais Bernie, il faut me croire, je n'ai pas rêvé. Tu la vois, là-haut? Eh ben, tu t'es pris un coup de lune et ça t'a détraqué la tête. Un coup de lune? Mais ouais. On attrape bien des coups de soleil, alors pourquoi pas des coups de lune? Bernie, tu avais vu juste. La pleine lune exerce une influence encore inexpliquée tant sur les hommes que sur les chiens. Je n'ai pas vu de vampire, ce n'était que le fruit de mon imagination. Ouais, bah à partir de maintenant, évite de lorgner dans ce truc, hein. Comme ça, ça t'évitera de plus voir des... Yeah, le vampire, je l'ai vu, c'était pas un coup de lune. Allô, police? Non, Bernie! La police ne nous croira pas sans preuve, mais je compte bien leur en apporter. Viens, mon petit chou, nous rentrerons tard ce soir. Viens voir maman. Bernie veillera sur toi. Au revoir. Parfait. Il est juste à ta taille. Banane flambée à patate bouillie, je vais y entrer. Couvre-moi, Roger. Bernie, banane flambée. Après réflexion, je me demande si on ne s'est pas un peu précipité. Te ronge pas le poil, patate bouillie. Je contrôle parfaitement les... Bernie! Bernie, mais que se passe-t-il? Bernie!
en pleine tronche. C'est bon, ça va, y a personne ici. Tommy, reviens. Tout cela ne me dit rien, Kivaille. Hein, Bernie? Mais quel est ce bruit étrange? Je mange des chips. Des chips? Les vampires ne mangent pas de chips. Je vais voir un truc. C'est dingue, il y a des tas de costumes, des perruques, et il y a même du maquillage. Banane flambée, le vampire doit se déguiser afin de passer inaperçu. Banane flambée, alerte! Mais Corneille, Bernie t'a laissé tout seul? Oh, tu me parles d'un dog-sitter. Banane flambée à patate bouillie, alerte rouge! Je répète, alerte rouge! L'oiseau de nuit a décollé! Patate bouillie! Patate bouillie? Hé! Hey, patate bouillie, toi-même! Tu as entendu comment il me parle? Corneille! Où est-ce qu'il est passé celui-là? Corneille! Suivez la camionnette rouge, et vite! Accrochez-vous, on est parti, patron! Ça va nous faire un billet de 10. C'est pas vrai, j'hallucine. Je me suis pris un coup de lune ou quoi? Bernie! Courage, Corneille. Il y a forcément une explication logique à tout ceci. Raoul, viens voir. Il y a un chien qui cambriole l'immeuble d'en face. Mais bien sûr, Yvonne. Maintenant, tu prends tes gouttes et tu viens te coucher. En sourdine où le vampire va nous entendre. Bernie, écoute-moi, réflexion faite, il ne s'agit peut-être pas d'un vampire. Peut-être est-ce... Voilà le grand dent qui pique. J'ai des gousses d'ail pour lui régler son compte. Enfin, si toi tu préfères te défiler, eh ben pas de problème. T'attends ici, poule mouillée. Bernie, reviens! Oh non! Oh,
mais dis-moi, c'est toi qui fais tout ce bruit? Qui t'a enfermé ici? Il faut pas avoir peur comme ça. Allez, allez, faut y aller, on va lever le rideau. Et Dracula, il est arrivé? Il avait oublié sa cape chez lui, mais il est déjà sur scène. Jeune acteur. Notre Doc Seaton. Bon, le voilà, votre vampire. Le mystère est éclairci. Mais dites-moi, puisque vous utilisiez un talkie-walkie, vous aviez un complice, son nom. C'est-à-dire... Mais arrêtez de regarder votre chien! C'est pas lui qui va répondre à votre place! Corneille et Bernie! Voici mon histoire! L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris! L'histoire de Corneille et Bernie! Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart! Hé, hey, Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie! Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini! Si tu ne veux pas que ça se sache, t'intéresse à faire tout ce que je dis. Attention, voici Corneille et Bernie. Attention, c'est nous Corneille et Bernie. On est trop forts. John Bess, ça va? Jungle Panic, le jeu télé, votre jeu 100% aventure. Une règle, une seule, survivre durant une semaine sur une île de rêve qui deviendra peut-être celle de tous les cauchemars. Pour vaincre, les candidats devront triompher de la chaleur. Des moustiques sans pour autant succomber au terrible syndrome de Crusoe et sombrer dans la folie. Alors, êtes-vous prêts à tenter l'aventure? Corneille, vite, écris-moi une lettre de candidature. Pas le droit! T'es un crack en littérature! Sans ton aide, jamais je pourrais partir une semaine entière sur cette île de rêve si tu m'aides pas! Ai-je bien entendu une semaine entière? Oui, et surtout, t'oublie pas de parler de ma débrouillardise, de mon intelligence et de la. Oui, 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 ne t'inquiète pas, Bernie, je sais encore mentir. Je t'aime, t'es un frère. Je fonce, je vais la poster. S'il existe en ce monde un ange gardien pour les chiens qui parlent, qu'il fasse en sa bonté que Bernie soit choisi. Salut, petit gars. Tu es retenu pour être dans la prochaine émission, mais à une condition. On a gagné! Corneille, nous partons pour l'aventure! C'est fantastique! C'est... Attends, attends, comment ça, nous? Parce qu'on y va tous les deux! Oh, t'as eu du bol, hein, je leur ai envoyé le double de cette photo! C'est pas génial, ça? Il est hors de question que je quitte cet appartement pour une jungle infestée d'insectes sans eau ni électricité. Corneille,
Si tu viens pas, je pourrais pas y aller tout seul. Bernie, regarde bien mes babines. Non, c'est non. C'est ton dernier mot, Corneille. Oui, Bernie, mon dernier mot. Je sais, mon chou, à nous aussi, tu vas nous manquer. Mais Bernie a raison, tu as une toute petite mine. Et le grand air te fera le plus grand bien. John, Bess, faites-moi confiance. Je sens qu'il va s'amuser comme un fou. Hein, que t'es content, mon petit Corneille, hein? C'est fou comme ils peuvent bien s'entendre tous les deux. Ne trouves-tu pas, Bess? En cas de pépin, vous lancez votre fusée de détresse et on vient vous chercher. Mais vous serez éliminé. Bonne chance. Alors, Corneille, qu'est-ce que t'en dis? Oh, c'est pas le paradis? Hé! Mais dis donc, tu deviens débile ou quoi? Et toi, tu deviens aveugle? Il y a une caméra? Hein? Bernie, cette île est infestée de caméras. Je vais vivre l'enfer ici. À tout moment, le monde entier peut découvrir mon secret. Jamais, tu m'entends? Jamais j'abandonnerai en premier! Bienvenue à Jungle Panic. Après une première journée, certains concurrents ont déjà pris une longueur d'avance. Bernie Barge, en revanche, semble bien décidé à prendre du bon temps. Chien-chien! Touche surtout pas ça! Je ne suis pas un chien-chien. Mais tu parles, toi? Non, tu es en proie au syndrome de Crusoe, c'est tout. As-tu déjà vu un chien faire le moonwalk? Aou! Je deviens fou! Et de deux. J'ai une de ces feux, là, tout d'un coup, moi. Ah, oh, puis moi aussi, je me casse. J'adore les poules. Petit pati pati, viens voir Bernie. Allez, viens. Bernie! Oh là là, j'ai mal. Quoi encore? Les deux autres concurrents vont être évacués. Cette île est dangereuse. Alors allume ta fusée, toi aussi! Oh non, pas question. Je suis venu pour gagner et je gagnerai. Compris? Qu'as-tu prévu comme plan de survie? Tu es incapable d'écrire une lettre sans moi et tu as l'intention de survivre dans la jungle? Tu veux dire que sans moi, tu t'en tirerais mieux? C'est ça, alors ok, monsieur Corneille. À partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Si c'est ce que tu veux, Bernie. Alors d'accord. Et ça te servira à rien, pleurnicher, pour que je vienne t'aider! Jungle Panic! Deuxième journée, et le syndrome de Crusoe a déjà fait deux victimes. Mais puisque je vous dis que je n'y ai pas touché à cette fusée! Je persiste! Je deviens fou! Bernie Barge, quant à lui, semble bien décidé à goûter aux fruits de la victoire. John, regarde ces Corneilles! Oh, comme il a bonne mine! Mais
Avant de pouvoir les savourer, Bernie devra affronter avec succès bien d'autres épreuves. Alors ne manquez pas le prochain rendez-vous de Jungle Panic. Non mais tu vas tenir, oui. Et on ne bouge plus. Le toit. Et une jolie hutte, une. Boulette aux petits oignons. Et maintenant, à table. Navré, Bernie, mais comme tu l'as dit, c'est chacun pour soi et sans pleurnicher. Ah, 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 Cordée! Ah, 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 t'es foutu! Ah, ça fait Cordée! Ah, ça fait Cordée! Pitié, il faut m'aider. C'est un cauchemar. Des boulettes. J'ai faim dans mon ventre. Oh non, Bernie. Donnant, donnant. Tu tires ta fusée de détresse d'abord et à toi, les boulettes. D'accord, tout ce que tu voudras. Ah, oh, c'est chaud. Wow. Mon abri! Mes boulettes! C'est la fin! Je ne sortirai jamais de cette île! T'avais raison! Je suis incapable de me débrouiller seul! Non, Bernie, je vais t'aider. Mais il nous faut d'abord neutraliser les caméras. Voilà qui est mieux. Je me sens plus tranquille. Et maintenant? Passons aux choses sérieuses. Chef, on n'a plus d'image. Cette fichue tempête a bousillé toutes les caméras, il n'y a plus rien qui marche. Bon, bah, envoyez aussi une équipe médicale. Bienvenue à tous. Est-ce que tout va bien pour vous ici? Oh, mais oui, regardez, moi et mon chien, on est au paradis. Une équipe va venir réparer les caméras. Mais pas de problème. Bernie, c'est pas ce qu'on avait convenu. Nous devions rentrer chez nous par le premier bateau. Rentrer et renoncer à la victoire? Tenir ici une semaine avec le nid douillet que tu nous as construit? Facile. Oh, Corneille, à quoi tu joues? Corneille, personne ne peut nous entendre. Alors tu peux parler. Dis, je m'appelle Corneille et j'ai construit ce camp. Alors, hein, on veut plus parler, on fait un caprice. D'accord. Jungle Panic? Écoutez, Bernie est visiblement en proie au syndrome de Crusoe. Intervenez! Mais regarde, je suis aussi ferme le teint! Oui, oui, tu vas rentrer à la maison. Non, je suis pas fou, non! Lâchez-moi, je peux parler à mon chien, je vous dis! Aïe, aïe, pas les vêtements! Corneille, dis-leur, toi, que je suis pas fou! Corneille! Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé, hey, Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'intéresse à faire tout ce que je dis. Attention, chut, voici Corneille et Bernie, attention, c'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, ben ça va.
j'en ai une bonne à vous raconter. Qu'est-ce qui est petit, vert et qui fait des... Hein? Hé, Martha! Ah, désolé, Bernie. Il faut que j'y aille. Copain? Corneille, j'ai tout le temps l'impression de parler tout seul. Comment se lavait-il le matin? Personne ne m'écoute jamais. Je te demande pardon. L'exécution de leurs œuvres. Tu vois, même toi, tu m'écoutes pas. Et je suis ton doxiteur et... Bernie, je n'ai jamais douté que ta conversation soit fort intéressante, mais j'aimerais pouvoir écouter ce programme. Il est passionnant, il est suivi par des millions d'auditeurs. Des millions d'auditeurs. Oh, Corneille, merci! Merci! Tu seras mon assistant! Ton assistant? Regarde bien mes babines! Hors de question, Bernie! Qu'est-ce qui est petit, vert, qui monte et qui descend sans arrêt? Un petit poids dans un ascenseur! Radio Bernie, la bonne humeur garantie! Mais assez rigolé, il faudrait voir à se remuer. Alors, musique! Question ambiance, c'était pas terrible, hein. Tu pourrais être plus convaincant quand tu ris. Si vous appréciez l'émission, passez-moi un coup de fil au 0200 300 900. Bernie, je ne voudrais pas être désobligeant, mais... Chut, tais-toi, Corneille, ça va sonner. Allô? Allô? Pourquoi personne ne m'écoute jamais? Moi, je t'écoute, Bernie. Mais toi, tu comptes pas, t'es rien qu'un chien. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît, rentre tout seul. Allô? Allô? Bonjour, ici le Stradivarius Club, le club des fans de radio. Excusez-nous d'appeler aussi tardivement. Mon cher Bernie, après avoir savouré votre programme, notre jury vient de vous élire à l'unanimité meilleure émission radiophonique de l'année. La meilleure émission? Moi? Hé, hey, t'entends, Corneille? Ouais! Corneille? Corneille, nul doute, tu es un bon chien. Corneille! Corneille! Tu vas jamais croire ce qui m'arrive! Bernie, que fais-tu donc ici? Oh, Bess, j'ai une nouvelle fantastique et je voulais l'annoncer à quelqu'un. Mais bon, j'allais quand même pas vous réveiller, hein. Oh! Eh ben là, c'est fait. Ah? Alors, quelle est cette nouvelle fantastique? Je vais devenir une star! Radio Bernie fait un malheur! Et c'est que le début, hein, vous imaginez? Voilà qui dénote un bel esprit d'entreprise. Félicitations, Bernie. Ta-ta-ta-ta! Qu'est-ce donc tout cela? Ampli, table de mixage, platine et audimètre pour savoir très exactement combien de gens m'écoutent. Radio Bernie 2! Oh, Bernie, c'est de la folie pure. Il va falloir revendre tout cela. Je t'assure que tu n'es pas fait pour la radio. Je t'en prie, crois-moi. Comment ça? T'oublies le coup de téléphone que j'ai reçu? Et en plus, j'ai plein de blagues en stock. Bernie, tu n'intéresseras jamais les jeunes auditeurs avec tes mauvaises blagues. Mais t'y connais rien du tout. Demain, Radio Bernie 2 va débarquer sur les ondes et je te garantis que ça va cartonner. Ce qui est garanti, c'est qu'il va droit au désastre, oui. Et tout ça, c'est ta faute, Corneille. Si tu n'avais pas voulu jouer au bon samaritain, on n'en serait pas là aujourd'hui. À moins que... Hé, hey, Martha, écoute! T'entends? Ton copain passe à la radio! Vous
êtes sur Radio Bernie et je suis le docteur Bernie, prêt à résoudre tous vos soucis. Aujourd'hui, vous avez la parole et ça tombe bien puisque la question du jour est justement: pensez-vous qu'on laisse suffisamment les jeunes s'exprimer, que ce soit à l'école ou à la maison? Oh ben ça alors. Allô? Allô, je salue notre première auditrice, Martha. Vas-y, la parole est à toi. Excellent sujet, Bernie. T'as raison. Les adultes, sous prétexte qu'on n'est que des ados, ne nous prennent jamais au sérieux. Attends une seconde, je crois que j'ai un autre appel. Oui? Oui, salut, c'est Roméo. T'as complètement raison, Bernie. Mes parents m'ont payé la dernière console de jeu. Mais par contre, dès que je suis pas d'accord avec eux, ils veulent me la reprendre. Bernie Show touche à sa fin, mais dès demain soir, nous aborderons un autre sujet passionnant sur Radio Bernie Good. La radio, waouh, c'est magique, j'adore. Enfin, je peux m'exprimer librement et parler à quelqu'un d'autre que Bernie. Super ton show, docteur Bernie! Ah, t'es sûr? Ah ouais, on est fun! Hein? Bah, pourquoi il m'appelle docteur? Docteur, c'est plutôt flatteur. C'est ultra cool comme expression pour désigner un animateur radio. Oh, Corneille, tu te rends compte de ce que ça veut dire? J'ai même pas encore fait ma première émission que je suis déjà une vraie célébrité! Non mais t'imagines ce que ça va être ce soir? Je suis désolé, Bernie, mais ça, c'est mon émission. Non, des milliards. Et je ne te laisserai sûrement pas la gâcher. Cette fois, rien ne pourra m'empêcher de lancer ma première émission. Mieux vaut tard que jamais. Oh non, c'est pas vrai! J'ai encore perdu mes clés! Bon, tu m'attends là? Le temps que tu remettes la main dessus, mon petit Bernie, j'aurais fait de Radio Bernie 2 la meilleure station du pays. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis passé par la fenêtre. C'est pas bête, hein? Et toi, Corneille? Qui, moi? Que j'ai mal! Au secours! À l'aide! Mon cœur! Corneille! Corneille, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi! Vite, Bernie! Mon médicament! Tu en auras de l'autre côté de la ville! J'ai besoin d'une dose de ventospinaline de mon vétérinaire. Tu n'en trouveras pas ailleurs. Sauve-moi. Tiens bon, Corneille. Taxi, vite! À l'autre bout de la ville. J'ai besoin de vento de suppositoire. Foncez! Tiens bon, Corneille. Tiens bon. Et voilà le docteur Bernie Show de retour sur Radio Bernie 2. Alors, docteur Bernie. Bernie, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu es un traître. Tu vas pleurer. Oui, j'avoue. Pardon, Bernie. Au début, je voulais seulement t'aider.
J'ai découvert que j'adorais la radio. Je ne pouvais plus m'en passer. Tout est ma faute, je le reconnais. Si je ne t'avais pas téléphoné, on n'en serait pas là. Stradivarius Club, c'était toi. Ça veut dire que jamais personne n'a écouté mon émission. Bernie, ne t'inquiète pas. Maintenant, Radio Bernie 2 est sur la voie du succès. Et si tu acceptes mes conseils de temps en temps, tu seras bientôt une star. D'accord. On oublie le passé à une seule condition. Je suis l'animateur et toi, tu es mon assistant. Marché conclu. À quoi je pense qu'on a failli se disputer à cause de ces crétins d'auditeurs? Ils gobent n'importe quoi. Hein? Allô? Hey, tu sais ce qu'ils disent les crétins d'auditeurs? Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hey Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'intéresse à faire tout ce que je dis. Attention, chut, voici Corneille et Bernie. Attention, c'est nous Corneille et Bernie. On est trop forts. John Bess, ça va? C'est incroyable! Hey, t'as vu ça, Martha? Des photos d'extraterrestres. Je me demande de quelle planète ils viennent. C'est une photo truquée, Bernie. Quant aux extraterrestres, jamais personne n'a pu prouver leur existence. Ça, un extraterrestre? Dis, Bernie, tu ne trouves pas qu'il te ressemble un peu? C'est pas marrant! Rends-moi ce bouquin! Ah oui, c'est Bernie! Oh. Je sais qu'ils existent! Alors comme ça, les extraterrestres existent! T'as raison, comme les éléphants roses! Ouais, c'est ça, riez! Vous rirez moins hein, quand vous en aurez un juste devant les yeux. Que je me déguise en extraterrestre, moi. Bernie, mais c'est une plaisanterie. Écoute, Corneille, s'il y a quelqu'un qui peut se faire passer pour un extraterrestre, c'est bien toi. Pourquoi me livrerais-je à cette mascarade? Roméo a raison, les extraterrestres n'existent pas. Il y a des choses qu'on n'a jamais vues et qui pourtant existent. Toi, par exemple, t'existes. Alors que si je dis que je connais un chien qui parle, bah personne me croira. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. J'étais sûr que tu m'aiderais. Et avec ça, personne te reconnaîtra. Suis-je censé être un extraterrestre ou un clown? Laisse-moi faire. Un extraterrestre! Ah la trouille qu'il a eue! J'y ai presque cru moi-même, tellement c'était bien! Si après ça, il croit toujours pas aux extraterrestres, moi j'arrête de sécher les cours. J'espère que nous ne sommes pas allés trop loin. Ah, tu peux me croire, Corneille. Roméo osera plus jamais se moquer de moi. Il fera moins son crâneur, tu verras.
Il était là, juste en face de moi. Il parlait avec une voix glaçante et il menaçait. Ah, ce que t'es courageux, Roméo. Oh, oh, on dirait que Roméo te vole de la vedette. Et évidemment, quand je suis arrivé vers lui, il s'est enfui. Si j'ai bien compris, cet extraterrestre, enfin, cet être non identifié t'a parlé. C'est-à-dire qu'il s'exprimait dans une langue étrange. Je n'ai rien compris à ce qu'il disait. Moi, j'ai compris. Ouais, parce que dans le parc la nuit dernière, moi aussi j'y étais. Et il a dit... Il a dit, rendez-vous ce soir dans le parc, sur la pelouse principale. Fantastique. Alors, si t'as envie de le voir, Martha, faut que tu viennes avec moi. D'ailleurs, vous êtes tous invités, rendez-vous ce soir au parc. Cette fois, Bernie, tu es allé vraiment trop loin. Mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter, ça va marcher, c'est du gâteau. Du gâteau? Avec au moins 30 personnes face à moi. L'une d'entre elles comprendra forcément qui je suis. Corneille, tu peux pas me laisser tomber. S'il ne voit pas d'extraterrestre ce soir, tous mes amis vont m'abandonner. J'aurai tellement honte que ma vie sera fichue. Je n'oserai plus retourner en cours. Je serai la risée de tous. Je devrais même arrêter mes études. D'accord. Tu as gagné. Mais regarde bien mes babines. C'est la dernière fois. Juré craché. Et maintenant, place au spectacle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un mauvais pressentiment. Martha, il faut que tu lises ça. Encore cette photo truquée. Oh, Roméo, tu ne vas quand même pas croire à ces bêtises. Hier, tu étais le premier à t'en moquer. Oui, mais écoute ça, écoute ça. Des extraterrestres sont venus en éclaireur sur notre planète pour en préparer l'invasion. Oh, tu entends ça? Invasion! Oh, je t'en prie, Roméo, tu es encore sous le choc. Relax. Mais tu ne comprends rien! Je sais qu'ils existent! Surtout que personne ne bouge. Je dois y aller, tout seul. Oh, Bernie! Attention hostile, ne lui faites pas peur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il vient de la planète Vulcain. J'ai allé là-bas. Et donc Bernie, comment tu arrives à comprendre ce qu'il te raconte? Alors, je sais pas trop. Il doit probablement m'envoyer des ondes. À moi, Bernie. Oh là là, attendez! Il m'envoie d'autres ondes! Makuba hafut hutweglu hardak! Quoi? Moi? Il dit qu'il veut m'emmener sur sa planète ce soir! N'y va pas, Bernie, non! Si ça se trouve, c'est un piège! Un petit sourire, le petit oiseau va sortir, et on saura bientôt quel genre d'animal tu es. Oh non! Non, Roméo, non! N'avance plus, tu vas les prier! Ne le laissons pas s'enfuir! Allez, venez m'aider! Je le savais! Corneille, c'est moi. Tu peux toujours te cacher, petit monstre. Tu ne m'échapperas pas. Ah, bravo! Regardez les traces. Il est blessé.
Petra nous a tués. Je savais que ça finirait mal. Qu'est-ce qui m'a pris de t'écouter? T'inquiète pas, Corneille. On va les semer. Bernie, stop! Alors, comme ça, on a peur du feu. Roméo, laisse-le tranquille, sinon il va être obligé de te désintégrer. Ah oui? Qu'il essaie pour voir, et je lui carbonise le cerveau. Waouh! Bah dis donc, comment t'as fait ça? Par ici! J'ai vu de la lumière! Oh non! Dépêchez-vous! Voilà les autres qui rappliquent! Dépêchez-vous! Vite, on s'en va, Corneille! Vite! Non! J'ai une meilleure idée! L'heure est venue pour l'extraterrestre de tirer sa révérence. Roméo! Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé, Bernie? Alors ça, j'avoue, je sais pas du tout. Il y a eu un énorme éclair, du coup j'ai été aveuglé! Oh, vous avez vu? Okay. Ici, la pelouse est toute brûlée. Ça, à tous les coups, c'est une empreinte laissée par un réacteur. Notre extraterrestre s'est enfui dans sa soucoupe volante. Ben, dis donc. Ce qui est certain, c'est que ce mystérieux visiteur n'aura pas fait long feu chez nous. Rencontre du troisième type dans le parc. L'enquête se poursuit, mais le mystère reste entier. Ah, super, je suis à la une du journal du lycée. Ouais, tu fais bien le tigre. Osons dire que nous avons eu de la chance. La photo n'est même pas bien cadrée. Bernie, ne me reparle plus jamais d'extraterrestres, d'accord? Bernie Barge? Oui. Agent Bully et Spelder, est-ce bien vous qui avez été contacté par un être venu d'ailleurs? Oui, c'est moi, ouais, bien sûr. Il paraît que vous comprenez aussi son langage. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. En fait, je vais vous expliquer. Ça t'apprendra, Bernie. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé, Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. C'est nous, Corneille et Bernie, on est trop forts. John, baisse, ça va? Salut. T'habites ici? Je viens d'emménager dans l'immeuble. C'est plutôt cool comme quartier, non? Tu te promènes souvent ton chien? Moi, tous les jours. Plutôt deux fois qu'une. En fait, elle est toujours avec moi. Là où je peux avoir, c'est un peu tellement gros. Tu vas au lycée qui est juste à côté? Moi aussi, ma mère vient de m'inscrire. C'est super, on est dans la même classe. T'aimes bien les maths? Il faut que j'y aille. Tu viens, Jetty? Beauty. Un effort, mon chou. Ce sont tes gâteaux préférés. Goûte-en un, au moins. Oh, Bernie, nous sommes fous d'inquiétude. Corneille refuse de se sustenter. Il reste là, couché depuis hier, et il soupire. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Oh, il va retrouver son appétit. C'est le meilleur doxiteur de la ville qui vous le garantit.
Alors, c'est quoi le problème? Tu ne peux pas comprendre. Comprendre quoi? Oh, l'autre! J'arrive pas à le croire! T'es amoureux! De beauty, je parie! Te ronge pas le poil, ça va passer! C'est bien que non. Je suis le ver de terre amoureux d'une étoile. Rien ne saura jamais soulager ma douleur. Je suis petit, vilain, Quasimodo du chien. Alors qu'il est si belle. Il faut jamais se décourager. Tu peux me faire confiance, Corneille. Je suis un expert quand il s'agit de draguer les filles. Un expert? Toi? Corneille, tu connais mon surnom au lycée? On m'appelle Bernie le tombeur. Et si tu veux bien suivre mes conseils, je vais te dire qu'elle te mangera bientôt dans la patte, ta beauty. Corneille, il y a trois règles de base pour devenir un séducteur. Règle numéro 1, se faire beau. Règle numéro 2, sentir bon. Mais la troisième règle, Bernie. Ah, c'est la plus importante de toutes. C'est les faire rire. C'est qui? Bernie, je ne te trouve pas drôle du tout. Hello, Karen. Alors, ça roule? Bye bye. Et qu'est-ce qui est rond et vert et qui monte et qui descend? Et un petit poids dans un ascenseur? Ah, reviens, Corneille! Mais ça marchait presque! Bernie le tombeur, tu plaisantes? Bernie le crâneur, ouais. Et je vous aime enfin, aujourd'hui plus qu'hier, et bien moins que demain. Que ce collier brille toujours comme la flamme de mon amour. Oh, Samantha, j'avais si peur que vous me repoussiez. Vous êtes si merveilleuse. Oh, Steven, vous êtes si différent des autres. Et ce collier, ce gage de votre amour, c'est si romantique. Oh, merci. Merci, Steven. Oh, Bernie, tu es un véritable magicien. Corneille va tellement mieux. C'est vrai? Et je suis pas le meilleur d'oxyteur de la ville pour rien. Alors, Corneille, on a retrouvé la pêche? Je te l'avais bien dit que ça te passerait. Hein? Qu'est-ce qu'il a, ce truc? Bonjour. Oh, c'est super gentil de m'avoir attendu. Je l'adore, ce collier. Ça fait classe, les petits clous. On peut se voir si tu veux. J'adore de passer la journée au milieu des bouquins. Ce serait super que tu viennes. Et je te ferai visiter les rayons. Oui, vraiment. Tu as de beaux yeux, tu sais. C'est vrai? Tu les aimes? Mes yeux? Ben, c'est-à-dire que... le... à plus! Mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce qui t'a pris de parler à cette chienne? Je n'ai pas pu m'en empêcher, c'est sorti de mon cœur. Je suis tellement fou d'elle. Bernie, il faut que tu sortes avec Caroline. Je veux revoir Beauty. Oh non, demande-moi tout ce que tu voudras, mais alors pas ça! Oh, essaie! Je t'en supplie! Fais-le pour moi! Je peux pas sortir avec elle! Elle est trop... Enfin, comment on dit déjà? La beauté n'est pas tout dans la vie! Il y a la gentillesse aussi! Et l'intelligence! Alors, essaie! Je t'en prie! Fais ça pour moi! Merde! Hein? C'est moi! Ah!
vois bien que tu as grand timide. Mais ça, c'est pour le collier. Et celui-là pour ta lettre. Je vous aime enfin aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain. C'est si romantique. Ah non, 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 mais là, il y a erreur sur le garçon, hein. C'est pas moi qui l'ai écrit, la lettre. Et j'y suis pour rien non plus dans l'affaire du collier. Celui qui te l'a envoyé, c'est Corneille. Hein? Ton chien? Ah, tu me crois pas? Eh ben, pense ce que tu veux, hein. Mais t'arrêtes de me suivre, d'accord? D'accord. Et puis, si c'est ce que tu veux, tant pis. Viens, Beauty. Voilà notre bus. On va à la bibliothèque. Écoute, Corneille, faut pas m'en vouloir, mais... Ne pas t'en vouloir, alors qu'à cause de toi, je ne reverrai jamais Beauty de toute ma vie. Tu n'as fait aucun effort, quel égoïsme! Mais Corneille, tu vas quand même pas laisser une fille saboter notre belle amitié. Sans compter que tu oublies la quatrième règle. La quatrième règle? Quelle quatrième règle? Une de perdue, 10 de retrouvée. Il n'en est qu'une que je veux retrouver. Et c'est ma Beauty. Waouh, regarde un peu la chienne! Tu trouves pas qu'elle est mignonne, celle-là? Aïe! Mais calmez-vous! Aïe! Arrêtez! Je parlais pas de vous, mais de votre chienne! Aïe! 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 Hé! Hey, Corneille! Aïe! Vous êtes dans une bibliothèque! Une bibliothèque? Oh, Caroline! Oh, oh. Tu veux surtout pas qu'elle me trouve ici! Vite! Derrière les livres! Corneille! Bernie! Aïe! Oh. Hein? On se connaît? Ouah, Caroline, c'est toi! C'est dingue! Bah dis donc, t'es plus la même. T'as changé de coiffure, hein, c'est ça? Oui. Tu aimes? Ah ouais. Je te trouve très, très cool. Oh, Beauty. Je suis là, ma bien-aimée. Beauty? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Je veux dire, tu es très différente. C'est pas grave, Beauty. La beauté n'est pas tout dans la vie. Beauty, nous saurons vivre à deux des heures éblouissantes. Tiens, voilà un ouvrage que j'adore. Le connais-tu? Allez, Corneille! Rien qu'un petit effort! Pour moi! Bernie, tu ne comprends pas. Regarde bien mes babines si tu y arrives. Beauty et moi n'avons rien en commun. Notre amour n'était qu'une illusion. Et jamais je ne la reverrai. Bon, enfin, Corneille, tu sais bien que j'ai invité Caroline au cinéma ce soir. Elle est devenue drôlement canon, hein. Alors tu vas venir avec moi parce que... Bah parce que je suis ton dog-sitter! Oh? C'est quoi, ça? Quoi? Où ça? Ça! Ah! Je suis défiguré! Mais je peux pas sortir avec Caroline dans cet état! Oh, Bernie, j'ai bien peur que jamais tu ne saches ce qu'est la vraie beauté.